au Brésil. Au fait, il y avait pour remplacer comme rôle Facebook ou à Pitbull ou nous à Chihuahua ou quoi. On a fait un coup d'état de Pierre ou encore on a fait un coup d'état. J'aimerais bien leur expliquer la différence entre un coup d'état et une révolution populaire. Coup d'état, où est armé pouvoir calé et où est un objectif. Mais c'est qu'à femme ni pouvoir en place, nous voulons que ce soit un coup d'état. Parce que lui là-bas, donc, où sera pouvoir la Tchogomina. Où fera là, comme on est coup d'état que 2012 là, où lui soutenu jusqu'à ce qu'il conduise jusqu'au pouvoir. Donc, nous serons avec la femme. Au Bolin qu'on fait, on veut combat mina, le combat, il est légitime. Ni un combat est d'abord le même moment. Face à l'oppression, face aux dérives, eh bien, le peuple est obligé de défendre leurs droits en un combat de flair. Ça nous manie ni café. Ou on manie n'afé. N'abé malika herafé. J'aimerais donc pouvoir vous exprimer plus de deux fois, plus de trois fois. Attends, mon rôle là. Mais fait qu'à fond, mon rôle, il y en a d'autres pour là, qu'à fond, on me fait qu'à coup d'état qui est à Donata Borata. Ni coup d'état, mais on connaît qu'à qui le 3 août 2017, en tombant qu'au don. Au don, à la quelle est, à la sebat quelle est le contraire malé au don. N'a pas tout le cas, il est qu'à parler fait. Ou que m'étais conduit pour parler la catalase de Chazikolo. Mais nous, on est des vrais républicains. Eh bien, des vrais républicains, parce qu'on t'a été daï, on t'a été kéwalédé. Lui, il est rancunier. N'a sur on tourne comme au Louchouya, les mercredis, à tout le monde qui a boire à Chazikolo. C'est pour vous rassurer, notre objectif, c'est pas ça. Mais c'est comme on fait, il est Kanyana. Vraiment, n'avait mal fait. N'avait mal Katanya fait. Qu'il abandonne la nouvelle constitution, qu'il annule toutes les condamnations contre Rasbat, c'est tout ce qu'on lui demande d'ici 2018. N'avait fait qu'à 2018, c'est tout ce qu'on lui demande tout simplement. Sinon, on sera toujours debout et restons déterminés et vigilants. La lutte continue.